Après 2 semaines de travail sur le tatami du dojo national avec les deux experts en coaching de la Fédération internationale de judo, notamment le Camerounais maître Moussima Ewane Franck, ceinture noire, 6e dan, et le Sénégalais maître Ndiaye Cheikh Sadibou, ceinture noire, 5e dan, les arbitres, les encadreurs techniques et les judokas de l'équipe nationale sont capables de bien gérer le combat, garder le souffle et surtout coacher leurs poulets en cas de maté. Le président de la Fédération tchadienne de judo, maître Abakar Djarma Omi, se réjouit de l'engagement de deux experts et surtout de la disponibilité des stagiaires. Le ministre de la Jeunesse des Sports rassure la Fédération tchadienne de judo du soutien des plus hautes autorités de la transition pour le rayonnement de la dite discipline. La Fédération tchadienne de judo, en programmant ses formations, se projette dans l'avenir avec plus d'atouts pour marquer sa présence sur la scène nationale et internationale. Ce stage de haut niveau, initié par la Fédération tchadienne de judo, prélude au championnat d'Afrique d'Alger, vise à renforcer les capacités techniques, physiques et tactiques de la délégation tchadienne afin de faire une bonne prestation en terre algérienne.